Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il est possible de réaliser une jolie corbeille de rangement uniquement avec de la récupération. Pour commencer, tu auras besoin d'une boule chinoise ou d'un lampion. Monte-le afin d'obtenir une sphère. Ensuite, tu auras besoin de cordes de jute ou de raffia. À toi de voir. Pour ma part, il me restait de la corde d'un vieux tapis que j'avais utilisé auparavant pour réaliser un pouf. Je te mets le lien du tuto en haut de l'écran si tu veux aller jeter un œil. Je viens coller tout autour la corde. Ensuite, je retourne ma structure. Je retire la barre de maintien et je viens poser une assiette dessus et je continue mon collage en suivant la forme de l'assiette afin d'obtenir une sorte de collerette. Je coupe l'excédent du lampion en papier. Une fois terminé, à l'aide d'une petite bougie et d'un bâtonnet de bois, je viens brûler les petits filaments de la corde. La corde étant assez vieille, elle a perdu de son éclat. J'ai donc décidé de la pimper en réalisant un mélange de peinture acrylique avec une bonne quantité d'eau pour que la peinture soit bien diluée et qu'elle puisse être imprégnée des fibres. Une fois la peinture sèche, j'ai complété la coloration à l'aide d'un mélange de café soluble et d'eau pour donner un peu plus de caractère. Et voilà le résultat, tu as une jolie panière où tu peux ranger tes plaids, des jouets ou tu peux même l'utiliser en tant que cache-pot, comme ceci. Alors qu'en penses-tu? Fais-le moi savoir dans les commentaires et si tu aimes mon contenu et mes idées, like, partage et abonne-toi. Ciao!